Bonjour, Patrick Badillot, je suis professeur à l'Université de Genève. Je dirige l'Institut Media Lab. Media Lab est spécialisé notamment dans tout ce qui concerne l'innovation, les nouveaux médias, les réseaux sociaux, l'analyse des médias, les marchés des médias. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que depuis quelques années, c'est un dossier qui monte en puissance. Je situerai notamment un point important. En 2007, McKinsey a fait un rapport qui s'intitule « Women Matter », donc les femmes comptent. Et depuis lors, de plus en plus, il y a eu des études pour apprécier la place des femmes dans les entreprises, dans les organisations. Ce qui a été observé, c'est que finalement, les entreprises dans lesquelles il y avait plus de femmes, il y avait une meilleure productivité, une meilleure efficacité d'entreprise. Alors, selon le rapport McKinsey, là où il y avait au moins 3 femmes dans les conseils d'administration, il y avait une performance de plus 48%, ce qui est absolument considérable. Depuis lors, ce qu'on a observé par rapport à la Suisse, c'est que la Suisse progresse, mais il y a eu un rapport aussi qui a été fait là-dessus, qui est le rapport Schilling. Les femmes sont présentes à peu près dans 15% des conseils d'administration, et en fait, il y a un décrochage par rapport aux autres pays européens. Les pays nordiques, notamment la Norvège, la Suède, ont des taux de 30%. Donc la situation, c'est une évolution vers une présence croissante des femmes dans les conseils d'administration, dans les entreprises à des postes clés. Et la grande orientation, c'est finalement celle de la Commission européenne, qui a annoncé 40% comme étant un objectif de court-moyen terme. Alors les facteurs de développement du leadership féminin, c'est d'abord le facteur numéro un, c'est ce dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'il y a une efficacité, une performance accrue. Il y a eu aussi un rapport qui a été fait par le World Economic Forum qui a annoncé un projet qui s'appelle Gender Gap Reduction et qui montre là la meilleure performance de toutes ces entreprises. Donc le principal facteur, c'est la performance, et le facteur explicatif de cette performance repose sur ce qu'on appelle le leadership inclusive, ce qui veut dire simplement que les entreprises ont intérêt à avoir une diversité de personnalités, une diversité évidemment de genre, mais plus généralement c'est la diversité qui favorise la performance, l'efficacité, la fluidité, l'innovation dans les entreprises. Je dois vous dire comment ce projet est né. Tout simplement, j'ai dans mon équipe une femme qui est extrêmement dynamique et brillante, et puis vous la verrez demain à la conférence. Et un jour, elle m'a parlé de ce projet. Tout simplement, on travaille ensemble en fait sur l'innovation. Et c'est pas probablement parce que je m'intéresse à l'innovation que j'ai trouvé ça intéressant, parce que ça, c'est dans un domaine où il n'y a pas beaucoup de formation. Donc effectivement, on a créé ce projet, ce diplôme, avec aussi et en partenariat avec Études Genre, qui est un département, enfin un institut de la Faculté des sciences de la société, qui est dirigé par une femme, bien entendu. Et donc on a commencé à réfléchir, et puis on s'est aperçu qu'il y avait un véritable besoin. On a contacté des organisations, on a contacté la Fédération des entreprises romandes, on a contacté divers acteurs, et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un besoin. Alors, le besoin, quel est-il exactement? Enfin, à quel besoin répond-on? En fait, le mieux, c'est que je vous parle du contenu de la formation. On a un module qui va être un module de management, de mise à niveau du management, là, qui est fait par un homme qui a longtemps travaillé à McKinsey, qui maintenant est à HEC. Après, on a une dame qui est une spécialiste des relations de pouvoir dans les entreprises, mais des relations de pouvoir notamment entre hommes et femmes, donc spécifiquement là-dessus. On a aussi parmi les intervenantes, on a aussi la directrice ou présidente de l'innovation sociale chez Bolloré, donc une très grande entreprise, et qui dirige ce qui s'appelle Earth Talent, c'est-à-dire les talents de la Terre. Elle travaille aussi avec les Nations Unies pour développer les talents. Et évidemment, dans les talents, il y a les femmes. Et bien sûr, il y aura nos collègues aussi d'études genre qui vont intervenir pour montrer les spécificités du fonctionnement du marché du travail par rapport aux femmes.